On vient ici depuis 6 ans à la foire d'Agen et avec grand plaisir parce que les Lot-et-Garonnais nous le rendent bien. Moi c'est la deuxième fois que j'ai fait, l'année dernière j'ai fait le salon de l'habitat et Maëlle c'est sa première. Ça fait 3 ans que je viens à la foire maintenant sur Agen. Là c'est un petit peu de poker. J'ai énormément de frais pour venir et je me suis vraiment posé la question. Je suis là pour les Agenais sincèrement. Ouais. 2020 est vraiment une année très compliquée. Je viens toujours à la foire d'Agen. Alors moi la question s'est pas posée du tout parce que je sais que les gens sont fidèles à la foire d'Agen. Et donc j'étais juste inquiet si la préfecture nous autorisait ou pas à pouvoir ouvrir. Et il s'avère que les organisateurs nous ont bien rassurés, ont mis tout en place pour que ça puisse s'organiser, donc c'est super. Alors non, on s'est pas posé la question parce que cette foire elle est essentielle. Ce qui est le plus particulier pour les clients, pour nous, c'est le masque. Faire goûter avec le masque, c'est très très compliqué, donc on réapprend notre métier, on réinvente notre métier. Déjà depuis ce matin, il y a déjà un petit peu de passage, donc je pense que les gens vont braver le Covid et vont venir masquer. Non, on est conscient, les gens ont besoin de s'oxygéner, on est conscient. Oui, on craint bien évidemment le moment de demande, mais il fallait être là. On est toujours un peu dans la crainte de toute façon que ce soit hors dans ce contexte ou pas, mais c'est vrai qu'on était quand même pressé d'être là et on verra dimanche ce qui va devenir. C'est de la convivialité, c'est de la bonne humeur, c'est retrouver des exposants, qu'on puisse échanger. C'est vraiment pour rencontrer les gens, discuter de leurs projets, se faire revoir. C'est important, c'est un service commercial, on n'est pas que là pour la vente, mais on est aussi là pour le conseil. Nous avons besoin de nous changer un petit peu les idées. D'amener le rayon de soleil aux gens qui ne l'ont plus. Je suis là aussi pour pérenniser, voilà, pour l'année prochaine. Si les clients ont vu qu'on avait fait l'effort de venir cette année, on travaillera encore mieux l'année prochaine.